Bonjour, Ferrax Semio, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui est entré à la canon. Maman dit nous non. Je dis à la m'a préparé un petit aubergine gratiné pour nous. Ça nous est des bergènes dans le pays noir. Mais là, je suis en ville déjà. Je vais commencer par trois bagages que nous avons besoin. Okay? Nous avons besoin de marinade. Nous avons besoin de petit bouchetta pour nous manger avec. Je vais commencer la recette là avec une marinade. Marinade là, je vais avoir une tasse de farine là. Et puis avec yon tasse et demi bouillon de poulet. Pas dire que yon bouillon de poulet, moi montre nous comment pour nous faire déjà. Li pa prend sel. Qu'on a moins vidé tout d'un coup là-dedans. C'est pas un problème, qui t'en connaît, c'est quantité exacte la vie. Une fois que moi brûle moi sel, moi mettez demi petite cuillère de poudre à pâte là-dedans. Ça nous a des bacon soda dans le pays noir. Donc demi cuillère bacon. Moi mettez yon petite cuillère d'ail, ça c'est ça différent dans ça nous qu'on a habitué faire la canon déjà. Après ça, moi mettez yon petit piment bouc moi gagne bien émincé, moi déposer là-dedans et puis mettons petit poivre. Moi mettons petit sel qui égal à une petite cuillère. C'est déjà fait. Qu'on a là, moi pas mettre marinade moi là, qu'on a là me finir avec marinade là. Qu'on y a là, on va faire l'autre recette pour nous qui est le bouchetta. Bouchetta, c'est comme si on sort des petites salades fraîches pour nous capables de manger avec des bérigènes gratinées. Pour me faire des bouchetta, qui ça m'a besoin, on petit tomate, moi couper en petit cube. Après ça, moi fais oignon aussi en petit cube. Oignon blanc ou bien oignon rouge, c'est pas un problème, d'accord? Qu'on a là, moi mettez une cuillère d'ail, une bonne petite cuillère d'ail là-dedans. Je mets du poivre. Je mets un petit huile d'olive là-dedans. Regarde une cuillère comme ça. Je mets un petit sel. Et voilà, qu'on a là, avant de brasser le lit. Qu'on a ça là, c'est basilic. Un petit feuille basilic, je lave. Moi, qu'on a là, je vais ciseler. Je prends le temps pour moi dire répéter le mot ciseler. Je vais bien ployer le lit. Et puis, je vais prendre un couteau, je vais ciseler. Ciseler, ça veut dire, moi je vais passer le couteau sous lui, un seul coup de couteau. Hein? Pas deux coups de couteau dans une seule place. Regarde. Bien fin. Regarde-moi ça. C'est parfait. Quand on a là-bas, je vais poser une petite question. Il y a des gens qui vont demander, chef là, est-ce que c'est le même basilic que nous avons dans le pays noir? Est-ce que c'est lui-même? Oui, c'est lui-même tout. Mais la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas fait le même genre avec nous. Ils ont même fait dans la serre. Ça veut dire un côté qui est bien protégé. Ça veut dire que je ne vais pas le pipi sous lui, je ne vais pas le faire mal là-dedans. Là. Ok? Qu'on a une fois qu'il me fait ça, qu'on a embrassé lui là, je vais le mettre mariné. C'est pas fait là. Ça là, c'est un petit bout de chita. Je vais dire là, c'est très très bon. Hein? C'est léger par exemple. Qu'on a là, je vais mettre un petit plastique sous lui. Qu'on a marinade, je vais le faire. Bout de chita, je vais le faire. Ça fait deux choses. Qu'on a là pour me faire aubergine gratinée avec poisson, qu'on a même venu avec poisson là, on va couper un petit cube, non? C'est 50 cubes. Qu'on a là, on va la saisonner. On va laver poisson, on va mettre dans un petit cube, on va mettre une cuillère épices créoles là-dedans, on va mettre une petite cuillère de paprika. Si toutefois nous n'avons pas de paprika, on va mettre un petit piment bouc, nous allons mettre là-bas, même gouato. Et puis mettez yon petit sel. Et puis moi mettez yon morceau de citron là-dedans. Peu importe quel gros sel morceau de citron, c'est pas un problème. C'est juste du goût la poté. Moi mettez un petit poivre. C'est très important ça, moi le dis non. Attendez. Là, moi même moi faire avec petit poisson ça. Mais vous devez faire en duo. Vous devez mettre en sort là. Poisson et en sort. Ou bien poisson et morue. Ou bien poisson et saumon. N'importe quel poisson, vous devez faire juste avec en sort. Vous devez faire avec viande moulue aussi. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi si vous voulez là. Je vais embrasser lui. Une fois que je vais embrasser comme ça, je vais besoin mettre l'huile là-dedans. Là. Quand je vais mettre le couvrir de mon bagage, et puis après ça, je vais le tourner. Quand je vais même venir avec l'aubergine, je lave déjà. Je vais couper cette tête là. Quand je vais faire ça, je vais le faire pour me faire gratiner. Je vais couper un petit demi comme ça, pas jusqu'au bas en bas. En bas là. Je vais faire la moitié. Après ça, je vais prendre même grosser encore. Et voilà, c'est lui-même qui va lancer ses portefeuilles d'aubergine. La même chose aussi encore ici. Je vais couper le rivet dans la moitié. Mais toujours essayer pour moi si deux côtés sont capables d'égal. Ok?
qu'on a les fil fait comme ça là qu'on a la ça me fait me font ti fil en garder dans mi-temps me faut écouter un petit peu plus loin OK pour me garder plus espace pour mettre ti viande moi OK après dit qu'on a me censé un trou dans mi-temps là dedans là et puis en l'air petit d'accord c'est la même chose m'a fait là encore moi fais la même chose moi fais là un petit genre à moitié et moi fais ça là encore parce que là il est très gros qu'on a qui ça me fait moi font ti trou encore on doit ti jonction plus fond mais à ce moment-là les mêmes côté me couper là qui là il toujours été au théâtre mais en dedans dérivé plus loin OK et voilà c'est ça m'a fait de suite ensuite d'accord même venir avec poisson là qu'on a là moi prendre facile avec moi prendre un petit morceau moi mettre là dedans qu'on a là moi déposer dans l'assiette là c'est très important m'lui dit nous ça hein c'est très important de nous mettre pour nous faire bailler une petite pression sous lit pour nous censé fermer il pas fermer vraiment non mais là comme ça parce que sinon pas capable capable bien couvrir pour pas sortir en dedans OK OK bah montrer nous ça bien parce que m'va te montrer nous lorsqu'on met l'eau au fin entrer dans petit trou OK au fin bien rentrer dans petit trou garde une fois que moi bien rentrer dans petit trou m'va mettre beaucoup encore ça me fait me font petit peser pour le plati. OK qu'on y a trop il va venir trop large peut-être pour nous fermer pour que pas ta bien fermer pour nous d'accord na même marinade là mais pas marinade là qu'on a passé aubergine là-dedans qu'on a l'huile moins chaud pas trop trop chaud hein na une fois qu'elle bien passé comme ça ouais c'est comme ça là qu'on a la baleine déposer le dans chaudière qu'on a là nous regardez vous l'huile là pas tellement chaud là m'a quitté là tranquillement à 7 c'est parfait OK qu'on a là après on 3 on 2 minutes comme ça là virer tranquillement qu'on a va virer le côté OK là on a quitté là là alors regardez là comment c'est bien coloré ça veut dire presque prêt là mais c'est vraiment pour le colorer là après ça nous voit nous j'en ai bien coloré là c'est parfait c'est comme ça les appels les supposés comme ça de colorer s'il pas coloré comme ça en dedans pas cuit et puis produit ça nous met en dedans là il pas cuit non plus OK c'est parfait bon là moi venir avec petit bouchetta moi te mette mariner pendant au moins 35-40 minutes là et puis moi juste font petit brassage pour me faire quoi plus rentrer là-dedans au balier en rentrée là si me te gon petit salade un petit cresson mettre en bas OK m'ta mettre un petit cresson en bas et puis me déposer ça dessus après ça sont fait on prend un petit bouchetta on déposer sur lui tu rentre créole là et voilà c'est tout c'est parfait non c'est vraiment beau hein c'est beau et puis bon aussi qu'on y a là moi pas le goûter poisson n'oublie pas dit là regarde moi ça c'est parfait c'est un bonbon ça regarde moi ça parfait hein qu'on a là moi pas le goûter pour moi résultat c'est succès c'est très très bon c'est très goûteux petit côté piment sorti là dedans c'est excellent mais la seule chose c'est chaud pour nous servir hein oublie dit nous ça c'est très important pour nous bali chaud parce que quand c'est froid la vienne molle. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui tente la canou. Merci, au revoir.